Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure sur ce jeu de Wouhou Coquin. Donc, nous sommes de retour pour l'aventure. Je sais pas, on est combien épisodes. Voilà, ici, on va prendre son temps. Oh, pardon. Ah là. Et sincèrement, je suis inquiet quand même. J'ai même foiré ma bouffe. Je veux dire, inquiet de quoi? Bah, pour le son, en fait, le fait que je puisse pas régler ce souci de parasitage, ça me met un peu mal dans ma peau. Enfin, ça me fait peur. Parce que c'est vrai que c'est casse-couille. C'est vraiment agaçant ce bruit de bourdonnement, de ronronnement. Ça casse tout l'intérêt du gameplay. Rien qu'à cause de cette merde, quoi. Mais bon. Je me dis, normalement, l'appareil que j'ai commandé, ça devrait régler normalement le problème. Je suis en train de cogiter dans ma tête pour essayer de comprendre tous les sens. Le seul risque que je risque d'avoir, si au cas où ça marche pas, c'est que je m'aurais fait arnaquer. Mais vu que c'est Amazon lui-même qui l'envoie, normalement, ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Puisque si c'est Amazon qui l'envoie lui-même, ça veut dire que c'est Amazon, quoi. Donc ça veut dire que c'est censé être fonctionnel. Tout simplement. Oula. Oula. Non, on était où jusqu'à maintenant? Ah oui, on a été là. Et on pourra aller où, vous croyez, les gens? Par là? Hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Parce que on va me dire la technique serait de couper le micro. Regardez, là je vais couper le micro. Merde, à chaque fois je me trompe. Attendez. Déjà, je vais faire un truc que je vais déjà faire. Ça fait deux fois quand même. Mais non. Oui. Merci. Je vais couper ici le micro. On va voir si ça règle le problème, mais je pense pas. Là, j'ai réactivé le micro. Et est-ce que ça a réglé le souci de bourdonnement? Si c'est pas le cas, ça prouve bien que c'est lié à la prise jack en fait, qui fait ce qui provoque ce genre de truc. Ta gueule toi. Donc voilà, on aura une réponse plus ou moins à ce niveau-là, c'est que en fait, c'est la prise jack qui provoque ce souci. Et c'est unique, ce n'est pas de ma faute, donc. Mais c'est vrai que c'est assez casse-pied, quoi, mais bon. Bon, sinon, à part ça, on va continuer. Oula, non. Wow. Wow. Ben non, mais là, j'ai rien à faire, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oula, non. Alors, oula. Vous inquiétez pas, je vais pas mourir. Ah ben non. En effet. Et je veux crever quand même. Allez. Bon, quand je dis je vais pas mourir, ça veut dire que je vais pas perdre mon matériel en fait. Hein. C'est dans le sens que je vais pas mourir et pas mourir. Je joue en mode easy, moi. Alors. J'ai hâte d'avoir ce bazar pour régler ce souci de ronronnement, bourdonnement que vous entendez.
ce bruit de congélateur ou réfrigérateur, hein. Bon, c'est chiant. Surtout que ici, ça doit être beaucoup plus fort parce que du coup, comme j'ai remonté le micro, c'est plus fort. Parce que j'avais quelqu'un qui disait comme quoi ça allait trop fort, trop faible, donc j'ai remonté. Mais si j'ai diminué, c'est à cause de ça justement. C'est parce que tu avais ce bourdonnement. Donc moi, je fais comme je peux, moi. Donc ok, vous avez gagné, vous gagnez. Je remonte le son pour qu'on m'entende mieux. Mais par contre, ça veut dire que vous gagnez un surplus de bourdonnement plus puissant là. Même la musique a un peu de mal à le recouvrir. Si avec la, avec quand on mettait en premier la musique, quand elle arrivait à couvrir, ça passait. Mais là, c'est mort. La musique ne couvrira aucun cas le son. Donc voilà, vous êtes connu. Bon après, on va dire de base. À quoi sert une vidéo comme ça? Ça sert à faire surtout du gameplay, à se faire plaisir et tout ça, on est d'accord. Donc, à pas se casser la tête. Et c'est le principe en tout ça. Donc voilà le principe. Et surtout, il faut prendre en compte que je ne peux pas augmenter plus le son du micro parce que quand je fais ça plante, enfin, l'enregistrement plante parce que ma clé n'est pas assez puissante en termes elle a pas assez de flux, le flux est trop lourd. Ici, c'est tout juste, c'est correct. Mais c'est tout juste quoi, il peut arriver des fois que vous avez des, je sais pas, vous devez m'entendre d'un coup, entendre une sorte de cut ou d'accélération pendant une ou deux secondes. Eh ben ça c'est lié au fait justement parce que l'enregistrement ici est ultra juste. Donc c'est fluide mais on risque d'avoir, des fois vous allez avoir des trucs qui fait que quand je passe ça va cutter et ça va reprendre directement instantanément. Au plus vite le truc, mais ça c'est parce que c'est l'enregistrement qui a du mal à suivre, tout simplement. Ça va, mais c'est la limite. Voilà. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien passer en 60 FPS, 720, 60 FPS. Mais je sais pas comment on fait avec cet AverMedia pour passer. Je pense que le truc c'est que il faudrait avoir une PlayStation 3. Et à ce moment-là, il te propose du 720 ou 720 60 FPS. Mais vu que ici c'est une Nintendo Switch et que c'est du 1080 qui sort, bah je peux rien faire. Je peux pas faire quoi que ce soit. C'est peut-être aussi parce que l'enregistrement est en temps réel, ça c'est possible. J'ai pas testé le temps non réel. Donc ça veut dire que l'enregistrement soit pas en temps réel. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas. Quand on est en mode gameplay, on peut pas. C'est pas possible. Donc dommage. Donc c'est un peu nul. Que qui sait? Peut-être que si on passe en mode gameplay machin, les bourdonnements, il y aura plus de problème en fait. Parce que c'est vrai que moi je m'en fous un peu que il y a un temps de truc ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas en fait. À quoi ça sert le temps réel si de toute façon est-ce que c'est parce qu'il risque d'avoir un décalage ici? Ben non, c'est un truc qui passe entre temps. Ouais, je sais pas. Faudrait une fois que je teste si je peux faire de passer en mode standard. Imaginez, je passe en mode standard et là ça me propose du 720, 60 FPS. Là, hop, je saute. Qualité maximum. Ça doit sûrement être du 17 FPS par seconde ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je veux faire? Ah oui, on va aller au gâteau. Aligato. Kusarimasu. Manger gâteau. Ah oui. Alligato, manger gâteau. Manger gâteau. Ah bah manger gâteau. Oh, alligato. Attendez, hop.
Parce que c'est simple, si le machin fonctionne pas, je repasserai en mode enregistrement autre pour régler le souci. Et quand je dis je repasserai en enregistrement autre, je veux dire je repasserai en truc là en mode plus long à faire l'enregistrement. C'est pas pour ça que j'ai modifié le truc de bonne qualité, c'est bon comme ça. J'ai juste le seul truc qui changera, c'est que il n'y aura plus le son. Donc ça n'enregistrera, il n'y aura plus de bourdonnement du coup. Parce que comme j'enregistrerai la prise de son à part, ça sera différent. Mais la qualité en soi ici, très bonne qualité, moi, je pense qu'elle est, pour moi elle est largement suffisante. Donc c'est très bonne qualité, hein. La optimale, c'est juste un surplus, mais ça sert à rien. J'ai vu la qualité, elle est très bonne, la qualité. Et en plus, ça va même plus vite. Et tu gagnes quelques. Au niveau d'espace, c'est beaucoup mieux parce que vous en perdez moins de. Enfin, ça fait gagner pas mal de temps, quoi. Donc, ouais, je préfère cette qualité-là, du coup. Je veux pas forcément de la qualité pourrie, mais là c'est une qualité très correcte. C'est juste qu'il y a un peu de la vidéo, il y a de la compression, mais c'est pas de la compression. On voit rien, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est moi ou j'ai pas pensé à prendre des torches? Ah, fais chier. Mais j'ai rien. Où l'a fini? J'aimerais bien faire de la survie avec quelqu'un. Mais le problème là, il se joue que bah, ça veut dire que je vais devoir enregistrer de source. Donc autant passer sur PC à ce moment-là. Bah oui, parce que du coup ça veut dire que je vais enregistrer le son de la personne. Donc ça veut dire que le son sera sur le PC. Mais encore une fois, ça peut quand même m'aider d'enregistrer comme ça parce que au pire le son il est externement, mais je veux dire pour aller comment dire pour l'autre. Pour la personne, automatiquement, je dirais top, c'est tout que je vais supprimer ça, mais ça faisait absolument avoir média. Et le truc, c'est que en fait, ah mais non, ça je le fais pas sur media, je le fais sur le truc. Enfin, ça, tu me comprends. Ça rajoute plus de travail, quoi, parce que ça veut dire que je vais rajouter encore une piste de son par là, en plus. À ce moment-là, je m'amuse, je refous le wouhou, joli chapeau en plus. Si je repasse comme ça, parce que c'est le petit plaisir que je fais à chaque fois, je mets un joli wouhou chapeau. Oh, qui est magnifique. Parce que c'est marrant et que c'est comique. Tout le monde veut un wouhou chapeau. Quel joli chapeau. Alors, je vois rien du tout. C'est beau. J'ai rien d'état à dire. C'est magnifique parce que je vois rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ça. Bon, dorénavant, je vais me concentrer sur mes vidéos. Que ça plaise ou pas, tant pis. Les problèmes de son seront réglés normalement. Si c'est pas le cas, tant pis. Ce sera comme ça et puis c'est tout. De toute façon, je trouverai bien un moyen, quoi qu'il arrive. À chaque fois, ça restera jamais éternellement le problème. Je suis toujours là à me tracasser, à essayer de trouver des trucs, mais il faut pas oublier que je paye tout de ma poche. Donc, ça coûte quand même un certain nombre d'argent, hein. Donc, soyez patient, c'est tout ce que je demande. S'il y a des problèmes de son, ils seront réglés en temps et en heure. Point barre. Et arrêtez de me casser les pieds dans les commentaires en me disant ah le son est bizarre. Je sais qu'il y a un problème avec le son. Arrêtez de me casser les pieds avec ça.
On peut se poser la question pourquoi il... Comment ça se fait que... Voilà. J'ai une torche ici. L'idée que tu vas te faire ça avec une torche. Ouais, je vais faire ça avec une torche. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas de bois. Et je sais pas où en trouver en fait. Voilà, ça me permet d'être sûr qu'il y a un trou. Et là, je sais qu'il y a un trou et que je peux sauter. Bon, après, pour la... À mon avis, vous voyez mieux que moi, hein, parce que moi, c'est complètement noir, mais vous, à mon avis, vous voyez un tout petit peu mieux quand même. Même peut-être vachement énormément mieux. Mais moi, il faut pas oublier que je suis sous vidéo projecteur pour les gameplay, les vidéos, donc je vois moins bien que vous. De toute façon, un jour ou l'autre, j'arriverai à... J'ai toute ma vie pour faire de la bonne qualité. C'est un peu ironique ce que je dis là, mais c'est vrai. Je suis jeune, hein. Donc, oui, excusez-moi, je suis en train de régler un truc. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, j'ai toute ma vie pour faire de la bonne qualité. Donc, je vais prendre mon temps, hein. À essayer de trouver le bon compromis. Un moment ou un autre, je veux dire, il y aura bien un moment ou un autre où le son et tout ça sera réglé, mais il faut pour un moment ça en phase d'occupation. Mais pour ma part, j'ai pas envie de stopper les let's play pour autant. J'ai envie de m'amuser parce que ça m'amuse de faire des vidéos d'enregistrement, c'est rigolo. Et puis ce genre de vidéo, j'ai pas envie de le faire tout seul. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer tout simplement des torches. Voilà, c'est surtout ça en fait. Là-bas, apparemment, c'est du truc. What the fuck, c'est bon. C'est un peu loin. Hein. Surtout que c'est... Ah, mais attends, j'ai pas vu, mais ici, il y a du bois. Hein. Oh oui, il y a pas mal de bois ici. Oh, intéressant. Quoi? Quoi? Ah, j'ai eu peur. Hein? Non, j'ai pas le bloc d'argile. Je fais des torches, enculé. Ah, j'ai pas de gravier. J'ai pas de saucisses grillées. Excusez-moi deux secondes. Je pose juste ma télécommande sur le côté parce qu'elle me gêne un peu, elle est sous mes jambes. Ma télécommande Harmony qui m'a coûté 400 euros. Oh, 400 euros, que je suis con. 50 euros, non, quand même pas 400, j'aurais pu jamais me la payer. 50 euros quand même, j'allais dire que c'est une saloperie, mais c'est pas une saloperie parce qu'elle m'aide bien. Voilà. Pierre en mousse. Ça coûte cher. Oui, vous allez me dire, ouais, mais toi, ça te gêne pas le son. En fait, moi, le son n'est pas fort, donc j'entends presque rien. En fait, j'entends un peu des sauts, mais c'est tout. Quand je me fais attaquer, j'entends un peu les tacs, mais c'est pas fort. Voilà, là, j'ai entendu le boom et le tac, mais c'est pas. Là, j'ai entendu que je me suis fait mal, mais c'est pas ultra fort, donc ça va. C'est quoi qui me tire dessus? Il y a rien pourtant.
Ah. Bah ouais, mais je vois rien, donc du coup je tape un peu à l'aveugle. On va y arriver les gens, on va arriver à tuer ce petit squelette. Il est un peu comique, hein, il est con à la fois. On va y arriver de retour à la bataille. De toute façon, on a des vies limitées, donc c'est pas un problème en soi. Mais voilà comment je joue. C'est magnifique, non? Non, mais ça vaut pas 10 milliards d'abonnements comme ça. Alors, il faut déjà détecter où ça tire. Rien du tout quoi. Attends. Ah ah. Ah, je te vois maintenant, petit coquin. T'es un petit connard, parce que tu en profites. Je galère à essayer de trouver quoi que ce soit, parce que je vois rien. Ok. Parce que je vois rien, tout simplement. Déjà, t'es dans ce temps-là, tu t'amuses à me défoncer. Oui, je sais que je suis... Je suis tellement un génie. Voilà. Alors, bah, comme ça, vous êtes au courant. Vous avez vu le pack de textures que j'utilise? Il est bien, hein? Une bonne qualité, hein. C'est du 64x64 et ce pack de texture est très beau. Oula. Ah, on voit mieux. On voit beaucoup mieux. Bah, ça peut être une bonne jump pour récupérer du gravier, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Du gravier, ouais. Ouais, c'est assez éclairé comme ça. Enfin, assez éclairé pour qu'on puisse récupérer ce qu'il faut. Pierre taillée. Et du coup, ici, c'est de la pierre taillée. C'est du gravier. C'est ça, c'est de la pierre. Du coup, ici, ça permet de récupérer de la pierre taillée, en fait. Ça, c'est une bonne chose.
fascinant tout ça. C'est moi où je sais plus du tout où est la sortie. Très étrange tout ça. Je pense avoir trouvé, mais je suis pas sûr que c'est là. Ouais, c'est là. C'est juste qu'il fait nuit. Par contre, sortie sur 20, quoi. Oula! Fait nuit. Je tiens toujours popper là. Pourquoi c'est emmerdeur? Voilà, ça devrait un peu aider. Un peu, hein. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Voilà. L'idée c'est d'aller par là. On pourrait d'abord passer par là. Comme dirait le truc. D'accord. C'est quoi qui m'a tué là? Qu'est-ce que c'est qui m'a tué? Vous voyez que c'est parce que je parle comme ça et du coup on m'entend pas habituellement ici, on doit m'entendre correctement. Mais c'est normal, hein, je veux dire, j'ai pas envie de parler. Enfin, c'est ma façon de parler, c'est mon niveau de puissance. J'ai pas besoin. Oula! Ah oui, battrez-vous entre vous deux. En fin de compte, j'ai dû me battre seulement contre un seul parce qu'ils sont tellement cons qu'ils se battent entre eux, quoi. Oui, j'aime pas les trous. Sinon, comme vous voyez, la map, elle est assez complète. Hein. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. C'est pas beautiful? Pas mal, quand même, je trouve. Elle est assez complète. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Sincèrement, elle va durer un peu longtemps. Peut-être 30-40 minutes. Oui, oui, oui. Bon, vous comprenez un peu pourquoi maintenant à chaque fois je suis en mode grimpantil. Pourquoi maintenant à chaque fois j'ai mis ce truc, parce que sinon je pense que je laisserai tomber tout le jeu, hein, parce que je suis vraiment le pire des boulets. Pour Minecraft, je suis vraiment le pire des boulets, quoi. Je galère. Bon, maintenant j'espère qu'on va réussir. On va y arriver. Certains vont peut-être me dire, ouais, mais c'est de la triche parce que tu as tout ton inventaire, donc en fin de compte, tu perds que dalle. Bah ouais. Bah, dans tous les autres jeux, quand tu crées, tu perds pas forcément des trucs. Oui, Minecraft, de base, c'est surtout ça l'enjeu, c'est que si tu crèves, tu perds tout.
Mais moi, je trouve que c'est un peu trop punitif. Parce que là, tu te retrouves sans rien par finir. Surtout que c'est une map limitée ici, donc je peux pas commencer à m'amuser à crever et tout ça toutes les 5 secondes. Et puis je fais ce que je veux, c'est mon let's play. Donc si ça vous plaît pas, ben, vous regardez pas. Bon après, vous avez une idée, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Bah voilà. C'est vrai que j'ai le nombre d'abonnés que j'ai, zéro. Donc voilà, je dis que le nombre de vues que j'ai, c'est comme si j'avais aucun abonné. Je comprends pas pourquoi, mais il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Les gens, les abonnés que j'ai, vous pouvez quand même faire un effort, je sais pas. Certains se sont peut-être abonnés pour des dessins. Ouais, mais le dessin, pour le moment, j'ai pas envie. J'ai plus d'inspiration. J'ai envie de faire du jeu. Mais vous inquiétez pas. Vous quêtez pas du tout. Arrêtez de quêter. C'est prévu que. De toute façon, il y a quelque chose qui est vraiment prévu. C'est le truc. De nique ta mère. Non, j'ai pas. Il y a un truc qui est prévu. Vous quittez pas du tout. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est votre mère. Non, je c'est en fait, si vous voulez, il y a. Non, il n'y a pas. En fait, si vous voulez, il y a une bonne nouvelle pour vous. Mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. En fait, si vous voulez, il y a Color 3D qui sortira peut-être un jour ou l'autre sur Twitch. Mais le problème, ça veut dire qu'il me faut l'écran. Donc, je peux pas dessiner si je suis en mode 1080p. Parce que c'est pas un truc qui est fait pour les trucs dockés. Donc, c'est dans le cucu. Voilà. Vous êtes content, n'est-ce pas, de cette nouvelle qui n'en est pas vraiment une? De rien, mais de rien, j'en ferai d'autres. Non. Non. J'en ai marre de mourir. Aidez-moi. Pas en me tuant, bien sûr, ça ne sert à rien. La Saint-Wouhou. Oula. Non. 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 Ah ben on peut dévaser ces trucs-là. Il n'y a rien. Oula. C'est long? Je vais faire quoi moi? Oula. Non.
Ah, et encore un spawner là, mais le problème c'est que... Bon, on va s'en sortir. J'en étais où moi encore? Alors les spawners, donc ça c'est bon. Il me faudrait une table de craft quoi. Oups. Non. D'accord, et je fais quoi maintenant? Ah ben voilà. C'est mieux. Oui, parce que j'ai pas envie de casser la maison en fait. Mais et on va bientôt se quitter d'ailleurs. On va se quisser. Ouf, tout ça. Oui, je vais faire complètement un... Je récupérerai demain le reste par automatisme. Je rangerai plus tard. Ce sera pour le prochain épisode. Ça. Voilà. Voilà. Donc ici, on va se quitter. Et bah, au prochain épisode. Hein. Et encore désolé pour le ronronnement, le bourdonnement. Comme je vous ai dit, hein, je peux rien y faire. Ça me tracasse aussi, ça me casse les pieds aussi. Ce sont... Ce problème de son audio s'appelle un parasite, enfin du parasitage quoi. Et je peux rien faire hélas. Faudra faire avec. Si vous aimez bien vraiment mon contenu et que vous me tenez à moi, vous supporterez le truc. Si vous vous en foutez, ben, vous restez pas. Hein. Mais en tout cas, je vais faire mon possible pour régler le problème de ça. Ça, je peux vous promettre que je vais faire le nécessaire. Comme j'ai dit, ici, normalement, je vais devoir demain recevoir un... Si je l'ai demain, hein, c'est même pas sûr. Mais normalement, je suis censé recevoir ce que j'ai dit. Et si demain, je l'ai pas, ben, c'est mort. C'est tout. Ce sera pour lundi. Ou mardi. Ou mercredi. Au plus. Que mes dernières commandes, à chaque fois, c'était prévu pour tel ou tel jour. Et je les ai eu... normalement, je devais les avoir lundi. Et je les ai eu plutôt... mercredi, jeudi, mercredi, donc c'est pour ça que je... mardi, mercredi, c'est pour ça que je préviens quand même. Donc je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien et c'est surtout aussi un test pour voir qu'est-ce que ça fait quand je filme plus de très longtemps. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien, c'était Mister Wu, ciao ciao, portez-vous bien. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours moyen de filmer externe. C'est juste que j'aurais bien voulu d'avoir la facilité ultime pour ça, parce que ça m'aide, c'est vraiment beaucoup plus pratique de pouvoir incorporer tout en instantanément. Et c'est pour ça qu'il y a ce... Mais en tout cas, si au cas où ce que j'ai acheté ne fonctionne pas, je repasserai sûrement en mode que c'est mon PC qui doit s'en occuper. Mais disons que mon PC est très vieux. Il est très très vieux.
C'est un Core i5, un Core i3, pardon, à 1,90 GHz. C'est la fréquence du processeur. Donc c'est comme un Pentium 4, quoi, un atome machin là, les atomes et tout qui sont à 2 GHz, c'est pareil. Avec la puce graphique intégrée du processeur lui-même qui est une carte graphique Intel Family HD. Donc c'est la carte graphique puce intégrée, c'est 4400 OpenGL. C'est tout ce que j'ai moi. Et oui, j'ai haut de gamme. Mais c'est tout. C'est un PC avec ce script minimum que ça. Donc c'est un PC qui peut être utile pour faire des. Pour regarder des vidéos et tout ça. Et encore, il faut utiliser un truc spécial pour pouvoir lire les trucs en 1080 60 FPS. Mais si c'est pour regarder du 720p 60 FPS ou 720 normal, ça va. Si c'est pour regarder du 1080 normal, ça devient limite, mais ça peut passer. Par contre, du 1080 60 FPS, si vous n'utilisez pas un plugin spécial qui s'appelle machin OpenGL. Enfin, c'est un truc qui convertit tout en H machin 264, je sais pas quoi là. Et ça règle le problème à ce niveau-là. Du coup, tout est fluide et t'as plus de bugs de son et de soucis. C'est vraiment pour vous dire que j'ai vraiment un PC de merde. J'essaie de trouver une facilité et en même temps une. Je compte pas vivre de YouTube, moi. Donc voilà, c'est pour ça que vous devez comprendre tout ça. Mais après, oui, j'aimerais avoir une communauté, 1000 abonnés et surtout une communauté active. Là, c'est pas vraiment le cas. Il n'y en a pas beaucoup qui commentent et c'est pas ouf. Je voudrais au moins maximum avoir 10 commentaires par chaque sur chaque vidéo, par exemple. Ça m'intéresserait. Là, ce serait superbe. Mais c'est pas le cas. Là, il y en a de temps en temps un ou deux, mais c'est pas ouf. Et souvent, c'est des commentaires négatifs en plus. Enfin, pas négatifs, mais d'aide. Et ça me dérange et du coup, je les laisse pas. Je prends en note, mais je les laisse pas. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouhou. Et surtout, portez le masque quand vous sortez, bande de trucs coquinous, de ou bêtises bêtises.